constitutionnel. Je vais donc me contenter, de façon très rapide, un aîné me disait que celui ou ce qui parle devrait avoir pitié de ceux qui l'écoutent. Je ne me permettrai plus de prendre beaucoup de temps. Vous en avez beaucoup entendu. Je me bornerai à discuter chacun des moyens, à démonter un à un les arguments développés par ceux d'en face. Cela permettra aux citoyens camerounais qui aujourd'hui sont victimes de la désinformation, de la mésinformation, à se rendre compte qu'il y a la vérité, à la cerner, à la saisir et à revenir à la réalité pour qu'ensemble nous aplanissions les chemins qui nous mèneront sereinement à la fermeture de la page de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. Cela dit, je prends le premier moyen qui a été soulevé par le professeur Maurice Kamto. Monsieur le Président, honorable membre du Conseil constitutionnel, j'ai failli dire qu'il s'agit d'un moyen pour rire. On vous parle de la violation de l'article 286 alinéa 1 du Code électoral. Le candidat Biya aurait bénéficié du financement de la campagne électorale de façon inégalitaire. Les autres soit n'ont rien eu, soit l'ont eu en retard. Monsieur le Président, vous me permettrez chaque fois de lire un peu l'articulation du mémoire de M. Kamto. La violation proviendrait du fait que le financement n'a été rendu disponible que 3 jours avant le début de la campagne électorale. Mais, Monsieur le Président, que dit la loi? Il faut que nous revenions sur la loi. La loi dit que les fonds doivent être mis à la disposition des candidats après la publication des listes. Les listes ont été publiées le 7 août 2018 par Elections Cameroun, suivant résolution du Conseil électoral. Par la suite, cette résolution a d'ailleurs été confirmée par votre auguste institution. Les fonds de campagne ont été mis à la disposition des candidats le 19 septembre 2018. Et la campagne a commencé le 22 septembre 2018. Sauf si nous faisons de la magie. Moi, j'ai bien l'impression que le 19 septembre, c'est après le 7 août, et le 22 septembre, début de la campagne, c'est après le 19 septembre. Donc, ils ont reçu ces fonds après la publication des listes et avant le début de la campagne. Mais ils veulent vous faire croire que ça n'a pas été le cas. En réalité, le problème, il est tout ailleurs. Ils veulent nous faire croire que la loi a fixé
un délai minimum ou maximal avant lequel ou après lequel les fonds de campagne devraient être mis à leur disposition. Ce n'est pas le cas. On dit simplement après la publication. Monsieur le Président, les bornes temporelles que je vous ai indiquées tout à l'heure viennent montrer que ce moyen a certainement été fait simplement parce qu'on voulait grossir la requête. Prenons maintenant le deuxième moyen. Sur la violation de l'article 91, alinéa 1 et 5, non, monsieur le porteur l'a dit, est-ce que vous consentez hein? Monsieur le Président, la répartition ne saurait être jugée d'inégalitaire. Bah, c'est écrit simplement, dans le moyen, vous répondez au moyen. Simplement parce qu'il nous souvient que chaque candidat a reçu exactement le même montant, c'est-à-dire 15 millions. Et peut-être qu'il faudrait donc indiquer également que la loi n'a jamais précisé le montant qu'il faut mettre à la disposition des candidats. Tout le monde a droit à la même somme. Et c'est ce qui a été fait. Bon, ça va. Continuez. Vous pouvez continuer. OK. Je prends le deuxième moyen, Monsieur le Président. Celui qui consisterait en la violation de l'article 91, alinéa 1 et 5 du Code électoral, relatif à l'affichage et au matériel de campagne de chaque candidat. Monsieur le Président, ça aussi c'est un procès en sorcellerie. La loi, l'article 91 nous dit que Elections Cameroun saisit les municipalités et leur demande de mettre à la disposition des candidats des espaces pour leur affichage. Nous l'avons fait. Et Monsieur le Président, j'attire votre attention, honorable membre, nous sommes tous Camerounais, que lorsque nous passons en ville, nous voyons, pour ce qui est par exemple le cas de la ville de Yaoundé, les affiches de campagne de tous les candidats. Elles sont partout, ces affiches. Et ces affiches ne sont pas apposées n'importe comment. C'est avec l'autorisation pour la plupart des autorités municipales. Sauf, Monsieur le Président, pour ceux qui, je ne sais trop pour quelles raisons, ont voulu aller apposer des affiches dans des domiciles privés. Je parle bien des domiciles privés. Toujours est-il que les affiches, elles sont collées en ville partout et ça concerne tous les candidats. Tout à l'heure, on a voulu vous faire croire qu'Elections Cameroun devrait notifier la décision, je ne sais pas s'il s'agit même d'une décision, devait indiquer aux représentants des candidats ou aux candidats eux-mêmes ou à leur parti politique que vos espaces d'affichage, c'est tel quartier, tel endroit, tel ou autre endroit. Ce n'est pas vrai. La loi ne l'a pas prévu. Nous nous adressons aux municipalités. Les municipalités mettent à leur disposition des espaces. Et c'est ce qui a été fait. Dans tous les cas, nous n'avons reçu aucune contestation, aucune demande ou aucune dénonciation de quelque candidat que ce soit se plaignant de ce que, et Monsieur le Président, je vais vous faire la nuance tout à l'heure, se plaignant de ce que il ne dispose d'aucun espace pour apposer ses affiches. On vous a lu une requête tout à l'heure, et cette requête-là
demander à Elections Cameroun d'indiquer quelles sont les places où les affiches devraient être apposées. La loi, puisqu'il s'agissait d'ailleurs d'une causerie entre gentlemen, nous avons rappelé à ce représentant du MRC qui nous a approché pour lui dire, nous lui avons dit que la loi ne nous demande pas de vous notifier quoi que ce soit. Rapprochez-vous des municipalités et en cas de problème, revenez, nous saurons quoi faire. Monsieur le Président, jusqu'à ce que la campagne s'achève, aucune autre récrimination n'a été enregistrée. Alors, que reproche-t-on aujourd'hui à Elections Cameroun? Qu'est-ce qu'on demande à ELECAM? Monsieur le Président, ce moyen n'est pas fondé. Il n'est pas fondé. Et je vais terminer en disant, sur le moyen bien entendu, que si récrimination il y aurait eu, c'est certainement dans ce monde virtuel dans lequel on voudrait nous introduire. Nous ne les y suivrons pas. Je prends ensuite le troisième moyen qui poserait la violation de l'article 87 du Code électoral. L'article 87, Monsieur le Président, est celui-là qui fixe le délai de la campagne électorale. Et on vous dit, c'est vrai que l'administration est là et elle répliquera, mais comme le mémoire est un tout et que je réponds à tout, je donne mon point de vue dessus. On vous dit que l'administration, notamment le ministre de l'administration territoriale, a pris un arrêté qui a écourté ou qui aurait écourté les délais de campagne parce que l'alinéa 1 de cet article aurait dit que la circulation des personnes et des biens par voie routière, ferroviaire ou aérienne est interdite du 6 octobre 2018 à partir de 18h au 7 octobre 2018 à 18h. Monsieur le Président, lorsqu'on s'arrête là, je trouve qu'on fait preuve de mauvaise foi. Parce que l'alinéa 2 du même article vous dit que les dispositions de l'alinéa ainsi dessus ne sont pas applicables, petit a, aux personnes et aux biens circulant dans un périmètre urbain ou dans une même localité située en zone urbaine. Alors, Monsieur le Président, de quoi parle-t-on? On voudrait nous faire croire qu'il y a eu un couvre-feu au Cameroun la veille des élections. Mais en même temps, ces gens ont tenu des meetings, des méga-meetings, allant parfois jusqu'à minuit, le dernier jour, la veille du vote. Internet est fait pour nous servir, mais il n'est pas une république et nous nous en servons comme tel. C'est pour cela qu'au jour d'aujourd'hui, il est possible de retrouver sur Internet les images de leur campagne dans la nuit du 6 octobre 2018. C'est des endroits où nous devons stocker des informations. Mais ce n'est pas là-bas que nous irons faire la vraie vie. La vraie vie, c'est ici. Monsieur le Président, vous avez certainement compris que la liberté d'aller et de venir, qu'on dit avoir été violée et qui aurait entraîné la violation de l'article visé au moyen, n'est pas effective. Ce moyen
n'est pas fondée. Je vais prendre le moyen suivant qui porte sur la violation de l'article 97 du Code électoral relatif au délai d'affichage des bureaux de vote. Le directeur général d'Elections Cameroun, tout à l'heure, vous l'a expliqué. Il est bon que, Monsieur le Président, ce moyen vous soit lu. Il est constitué de deux phrases dans la requête du professeur Kamto. Violation de l'article 97 du Code électoral relatif au délai d'affichage des bureaux de vote. En ce que ce n'est qu'au petit matin du 7 octobre 2018, jour du scrutin, que les listes ont été affichées, malgré les lettres de relance adressées à ELECAM, alors que selon l'article suivisé, la liste des bureaux de vote est transmise au démembrement communal d'Elections Cameroun pour affichage au moins 8 jours avant la date du scrutin. Nous avons décidé un amalgame dans ce moyen. C'est même peut-être une tentative de vous induire en erreur, mais nous ne le permettrons pas. Pourquoi? Parce que quand on parle de liste, il faut savoir qu'il y a les listes des bureaux de vote et il y a les listes d'électeurs. Les listes des bureaux de vote doivent être affichées dans les démembrements communaux d'Elections Cameroun 8 jours au moins avant la tenue du scrutin. Elections Cameroun l'a fait. Et, Monsieur le Président, j'ai avec moi les décisions prises par le directeur général d'Elections Cameroun, décisions par lesquelles il rendait public les bureaux de vote. L'huissier. Vous les portez. Il s'agit de 10 décisions prises pour l'affichage des bureaux de vote dans les 10 régions du Cameroun. Et une fois cet affichage fait, Monsieur le Président, le Cameroun Tribune, le magazine Cameroun Tribune, le quotidien, j'allais dire, du 1er octobre 2018, lundi, 1er octobre 2018, indiquait à sa page 33, il y a un petit encart, les listes de bureaux de vote disponibles. Le quotidien Cameroun Tribune relayait l'information de l'affichage des bureaux de vote. On vous a présenté un Cameroun Tribune. Je n'ai pas voulu le consulter, mais j'ai eu l'impression qu'on disait qu'il n'y a rien concernant l'affichage des bureaux de vote. Huissier, portez celui-ci au Conseil constitutionnel. C'est où? C'est dit que c'est où? Attendez, attendez. Bon, maître, Monsieur le Président, communiquez ça à l'un des avocats de... Donnez-le. Du candidat. Alors, Monsieur le Président,
Les listes ont bel et bien été affichées. Je parle des listes des bureaux de vote. Elles ont été bel et bien affichées. Et tel que la loi le prévoit, c'est dans les antennes communales d'Elections Cameroun que cet affichage a été fait. Sur le terrain, pas sur Internet, parce qu'en réalité, comme ils vivent dans le virtuel, ils attendaient la publication sur Internet. La publication a été faite dans les antennes communales d'Elections Cameroun. J'ai terminé là avec les listes des bureaux de vote. Prenons maintenant les listes d'électeurs. Elles, Monsieur le Président, la loi demande qu'elles soient simplement affichées devant le bureau de vote. Quand est-ce que les bureaux de vote sont-ils ouverts? Ils sont ouverts le jour de l'élection à 8 heures. Je mets quiconque au défi, Monsieur le Président, de nous dire ici que lorsqu'il est arrivé devant son bureau de vote le 7 octobre à 8 heures, il n'a pas trouvé une liste affichée devant le dit bureau de vote. Ces listes étaient bien présentes. Je préfère le dire, je préfère parler et des listes des bureaux de vote et des listes des électeurs pour que l'on ne vous trompe pas, pour que l'on ne vous embrouille pas. Et je voudrais faire un petit rétro-pédalage pour parler des listes des bureaux de vote. Simplement pour dire, Monsieur le Président, que ces gens qui aiment tant utiliser les huissiers, les listes n'ayant pas été affichées 7 jours, 8 jours avant le scrutin, pouvaient-ils ne pas le faire constater par procès verbal d'huissier alors qu'ils n'avaient pas besoin d'autorisation? Non. Arrêtez de prendre les Camerounais pour des fous. C'est de la désinformation. Adressez-vous au conseil. À la limite, c'est irritant, Monsieur le Président. En somme, s'agissant bien entendu de ce moyen, vous releverez également qu'il n'est pas fondé. Monsieur le Président, je prends le moyen qui suit. Non, s'il vous plaît, Monsieur le Président. Je vois Metsop qui lève la main, c'est pas pour. Prendre à nouveau la parole, on verra. Sinon, on ne pourra pas avancer. Tout à fait. Vous avez eu 2 jours hein, pour vous exprimer. Mm-hmm. Bon, maintenant, pour qu'on évolue, laissons que tous vos contradicteurs passent et notez les endroits où vous voudrez intervenir à nouveau. Ça, c'est la méthodologie qui me paraît logique. Merci. Oui, vous pouvez vous asseoir. Continuez. Monsieur le Président, je prends ensuite le cinquième moyen, celui portant sur la prétendue violation de l'article 100, alinéa 2 du Code électoral, relatif au nombre des bureaux, des bulletins de vote impartis à chaque candidat. Vraiment, comme le directeur général d'Elections Cameroun le disait tout à l'heure, soyons un peu sérieux et évitons la blague dans des affaires aussi sérieuses. Il s'agit de l'élection présidentielle, c'est l'élection maire dans un pays. Comment peut-on concevoir que dans un bureau de vote, alors que la procédure de vote est clairement indiquée et consiste pour chaque électeur à prendre une enveloppe et un bulletin de chaque candidat, qu'on veuille vous faire croire que les bulletins du candidat Kamto, eux, se sont épuisés
alors que ceux des autres étaient là. Ce n'est pas possible. Tous les bulletins s'épuisent au même moment et ils sont complétés au même moment si besoin est. Qu'on ne vienne pas, Monsieur le Président, puisque la tribune a été utilisée pour s'adresser au peuple, qu'on ne vienne pas le tromper. Ce n'est pas possible. Tous les bulletins sont épuisés au même moment. Et, Monsieur le Président, je voudrais attirer l'attention du Conseil constitutionnel sur le fait que jusque-là, après 2 jours de prise de parole, personne ne vous a dit où les bureaux de les bulletins du professeur Kamto ont été épuisés et n'ont pas été rassemblés. Or, si on avait cette information, on pourrait vérifier dans le procès verbal conçu par la commission locale de ce bureau de vote et voir si le représentant du MRC qui aurait relevé le fait a émis cette réserve en signant son procès verbal. Jamais ils ne vous ont dit dans quel bureau de vote cela a été observé. Mais c'est possible. Il est possible que ça arrive sur Internet. C'est sur Internet que cela s'est certainement fait. Mais dans aucun des bureaux de vote ouverts dans le monde réel au Cameroun par Elections Cameroun. Pour l'information des candidats, des citoyens, il est bon de savoir que dans chaque bureau de vote, on envoie un nombre de bulletins de vote correspondant au nombre d'inscrits majoré de 25%. Alors quand bien même les bulletins viendraient à s'épuiser, il y a un stock suffisant pour son remplacement. Il est donc clair que l'article 100 alinéa 2 dont on prétend la violation n'a jamais fait l'objet de la dite violation. En cela, le moyen n'est pas fondé. Je prends l'article 6, le sixième moyen, sur le non-respect du retrait du candidat à Kérémouna. Monsieur le Président, un certain nombre d'éléments vous ont précédemment été donnés par le directeur général des élections. Je voudrais parcourir avec vous les étapes qui permettent de savoir quels sont les candidats à une élection présidentielle au Cameroun. Il y a le dépôt des dossiers. Il y a l'examen des 10 dossiers par le Conseil électoral. Cet examen est sanctionné par une résolution de ce Conseil. Cette résolution vous est notifiée. Elle fait l'objet de contestations par les partis, les candidats, les déclarations de candidature ont été acceptées ou rejetées. Vous connaissez de ce contentieux et à l'issue, vous confirmez la résolution acceptant les déclarations de candidature. C'est une décision du Conseil constitutionnel qui fixe en réalité le nombre de candidats à une élection présidentielle. Devrais-je rappeler que vos décisions, Monsieur le Président, sont insusceptibles de recours? Article 136 du Code électoral. En matière électorale, les décisions du Conseil constitutionnel sont insusceptibles de recours.
Au nom de quoi Elections Cameroun prendrait sur lui, au vu d'une simple correspondance, de s'opposer à l'exécution d'une décision du Conseil constitutionnel? Quand même, Monsieur le Président, quand même, en droit administratif, on aurait peut-être évoqué la notion de parallélisme des formes. Nous attendions un arrêt du Conseil constitutionnel notifiant à Elections Cameroun le retrait de la déclaration de candidature du candidat Kamto. Parce qu'il faut le dire aux populations qui nous écoutent et qui ne comprennent pas toujours les règles, que lorsque vous acceptez les déclarations de candidature, lorsque vous prenez la décision qui fixe les candidatures, qui confirme la résolution du Conseil électoral, vous notifiez cette décision à Elections Cameroun pour lui dire, messieurs des élections, appliquez la décision. Monsieur Akeremouna ne nous a jamais notifié une décision nous indiquant le nombre de candidats qu'il devait avoir à l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. C'est le Conseil constitutionnel qui l'a fait. Et nous ne savons pas comment est-ce que nous aurions pu, sans violer la loi, prendre les bulletins de vote de ce candidat et les mettre de côté. Nous ne savons pas comment nous aurions pu le mettre hors course alors que vous, vous en aviez décidé autrement. Monsieur le Président, s'agissant de cette question, j'aurais pu m'arrêter à ce niveau. Mais je vais prendre un petit aspect pratique. Comme on vous l'a dit tout à l'heure, c'était un piège. Mais le piège a été évité. Pourquoi disons-nous que c'était un piège? Rendez-vous compte qu'au moment où la lettre du candidat Akeremouna arrive à Elections Cameroun, le scrutin a commencé dans certains pays étrangers qui n'ont pas le même fuseau horaire que le Cameroun. Alors, on aurait eu une élection avec 9 candidats au Japon et une élection avec 8 candidats au Cameroun. Cause de nullité de l'élection. Nous travaillons pour que cette élection produise ses effets, pas pour qu'elle soit annulée. Quand on dit qu'il était impossible de rattraper tous les bulletins de vote qui avaient été envoyés dans les bureaux de vote, ce n'est pas qu'on ne pouvait pas les retirer, on pouvait bien les porter et mettre sous la table, mais seulement, Monsieur le Président, pouvait-on le faire partout? J'ai été heureux ici. Quand j'ai entendu Maître Sim parler de son village, Yingui, lui qui est au fond là-bas, et dire que les populations, pour les populations, il faut assez de temps pour qu'une information parvienne. Lui, il est à côté, il faut qu'il le sache, parce qu'il y a des zones enclavées qui ne sont couvertes par aucun réseau téléphonique, zones dont les communications sont faites uniquement à travers les déplacements des personnes qui y sont. Il faut qu'elles viennent vers le chef-lieu de la commune. Le matériel électoral a déjà été envoyé. Qu'est-ce qu'on fait? Le président du bureau de vote de cette zone a 9 candidats, tandis que le président du bureau de vote de Bastos en a 8. Est-ce qu'il s'agit encore de la même élection? Assurément, non.
Ce moyen, Monsieur le Président, n'est en rien fondé. C'est pour cela que je passe au septième moyen. Et c'est lui qui m'intéresse le plus. Parce qu'il parle de la violation de l'article 104, alinéa 2 du Code électoral. Je dis qu'il m'intéresse pourquoi? Je dis qu'il m'intéresse parce que, répondant à une question que vous lui avez posée hier, à la suite d'une production exhaustive de pièces ici, ma consoeur, Maître Ndoki, vous a dit que cette production venait au soutien du septième moyen, notamment de l'article 104, alinéa 2 du Code électoral. Monsieur le Président, honorable membre du Conseil constitutionnel, permettez que je vous donne lecture de ce moyen. Il a quatre paragraphes, mais en réalité, il s'agit de quatre phrases. Violation de l'article 104, alinéa 2 du Code électoral, en ce que de nombreux électeurs ont pu voter plusieurs fois, alors que l'article 104, petit 2, énonce que l'électeur, après avoir fait constater son identité, prend lui-même une enveloppe et chacun des bulletins de vote mis à sa disposition rentre obligatoirement dans l'isoloir et y opère son choix et ressort de l'isoloir et après avoir fait constater à la commission locale de vote qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe, introduit celle-ci dans l'urne. Le plus important commence donc. En l'espèce, à titre d'exemple, dans le bureau de vote de l'école maternelle du secteur militaire 2 de Boya. Plusieurs militaires ont voté plusieurs fois. Par ailleurs, dans la zone rurale de Boya, entièrement désertée par la population, des militaires ont voté en lieu et place des électeurs. Monsieur le Président, le moyen parle de Boya, du département du Fakou. On est venu ici avec une tonne de documents. On parlait même de 30 départements. Il faut qu'on vous apporte les preuves des irrégularités qui auraient été enregistrées dans 30 départements. Pourtant, dans la requête, on parle du seul département du Fakou et d'ailleurs de la seule commune de Boya. Monsieur le Président, il faut que nous nous accordions. Est-ce un moyen nouveau? Est-ce un complément au septième moyen? Il est clair que cela est impossible s'il s'agit d'un moyen nouveau. Non seulement le moyen ne peut pas être nouveau ici, mais en plus on ne peut même pas le compléter. Simplement, Monsieur le Président, parce qu'il n'obéirait pas à la forme prescrite par la loi et au délai prévu par le Code électoral. La loi fixe à 72 heures le délai dans lequel les requérants doivent déposer leur recours au greffe du Conseil constitutionnel. Et on parle de requêtes. De nouvelles requêtes ne peuvent pas être formulées en cours d'audience.
elles sont irrecevables. Et c'est pour cela que quand je voyais l'agitation de la salle hier, en même temps que j'avais mal, en même temps j'étais amusé. Parce que je savais que j'allais dire au peuple qu'on prenait à témoin, on vous trompe. On voudrait amener le Conseil constitutionnel à violer la loi. Or, ce n'est pas possible. Ce n'est pas à vous qu'on apprendra ce que dit la loi. Vous la connaissez, et même très bien. Monsieur le Président, une fois cela dit, je vais peut-être me concentrer sur la ville de Boya. Et poser donc la question de savoir, mais ces pièces qu'on produisait, si quand est-ce qu'il y en a qui concernaient la ville de Boya, peut-on, le candidat du MRC, ne devrait-il pas nous produire lui-même ses originaux? Parce que, Monsieur le Président, le système électoral camerounais est un système inclusif et il faut que le peuple le sache. Tout le monde, toutes les parties au processus électoral sont acteurs et témoin du processus électoral. Ça commence dans la commission d'inscription, dans la commission de révision des listes électorales, où tout le monde est représenté, l'administration, la municipalité et Elections Cameroun. On va de cette commission pour la commission locale de vote, c'est-à-dire celle qui opère le jour de l'élection dans chaque bureau de vote. Chaque représentant est censé avoir un procès-verbal issu, le procès-verbal issu des opérations de vote de son bureau. On ne vous produit aucun procès-verbal. On vient, on déverse sur votre table un ensemble de tracts. Je les appelle des tracts. Des photocopies qui auraient été délivrées aux membres d'une commission à l'occasion des séances de travail qu'ils ont tenues. Monsieur le Président, on vous dit tel document n'est pas signé, tel n'est pas ceci, tel n'est pas... Mais apportez-nous les documents originaux. Où sont-ils? Et pourquoi demander aux autres de vous les apporter? La charge de la preuve aurait-elle changé? Actori probatio incombit, la charge de la preuve incombe à celui qui allègue un fait. C'est vous qui dites que les procès-verbaux sont irréguliers. Mais apportez les vôtres. Et ce qui est embêtant, Monsieur le Président, c'est que on procède par ruse. Pouvez-vous imaginer que lorsque, à la Commission nationale de recensement général des votes, on distribuait ces documents de travail, on était loin d'imaginer que le représentant du MRC, secrétaire de cette commission, était là simplement parce qu'il cherchait des éléments avec lesquels il allait, je dis bien, entre guillemets, embêter. Et cela me permet d'attirer l'attention du Conseil électoral sur le fait que les contestations sont censées être faites dans les 72 heures. C'est-à-dire avant même que la Commission nationale de recensement général des votes ait commencé son travail.
j'en arrive à perdre mon latin. OMRC, ça signifie quoi? Ça signifie que nous imaginons des griefs et nous cherchons la preuve. Or, je pense que le schéma normal, c'est j'ai la preuve et je saisis le Conseil constitutionnel du grief qui m'est fait à partir de cette preuve. Monsieur le Président. Alors, le comble, Monsieur le Président, a été observé hier lorsque j'ai vu l'équipe de défense de mon professeur, parce qu'il m'a enseigné, professeur Kamto. Quand j'ai vu son équipe de conseil vouloir vous imposer la façon de conduire les débats. Ils vous disent, Monsieur le Président, moi j'en ai été scandalisé. Demandez que les documents soient produits. Mais cette prérogative ne leur appartient pas, Monsieur le Président. La loi, en son article 133, alinéa 2, dit qu'il s'agit de ce que le Conseil constitutionnel peut décider de lui-même. Ce n'est pas à eux de vous le demander. C'est vous, honorable membre du Conseil, qui pouvez décider ainsi. Vous êtes libre de le faire ou de ne pas le faire. J'allais même dire que cela est laissé à votre discrétion. Monsieur le Président, lorsque j'ai fini de dire cela, je voudrais que vous constatiez avec moi que l'article 104 alinéa 2 du Code électoral qui aurait été violé ne l'a certainement été que sur Internet. Parce que dans la réalité, les irrégularités dont on fait cas ne sont pas réelles. Du reste, elles ne sont pas prouvées. Que l'on vous apporte les preuves des irrégularités enregistrées à Boya uniquement, et en ce moment, nous les discuterons. Mais en l'état, il n'existe aucune preuve. D'où il suit que le moyen n'est pas fondé. S'agissant du huitième moyen qui porterait sur la prétendue violation de l'article 20 alinéa 4 du décret numéro 79-448 du 5 novembre 1979, modifié par le décret numéro 85-238 du 22 février 1985, portant réglementation des fonctions et fixant le statut des huissiers. J'ai entendu dire ici que nous avons saisi près de 150 juridictions dans le pays. Et toutes nos requêtes ont été rejetées. J'ai peut-être mal suivi hier, Monsieur le Président, mais je crois qu'il y a l'un des avocats de l'équipe de défense du professeur Kamto qui nous a quand même dit qu'ils auraient obtenu ou qu'ils ont obtenu une ordonnance dans le Diamaré. Je peux me tromper, mais je crois que c'est ce qu'ils ont dit. Qu'ils ont obtenu une ordonnance dans le Diamaré. D'ailleurs, à la suite de cette ordonnance, un huissier a pu faire les constats
Et le constat en question était encore sur Internet. On l'attendait ici. Lui non plus ne vous a pas été produit. Ce moyen, vraiment, je pense qu'il a été pris simplement pour grossir la requête. Parce que je ne sais pas comment, lorsqu'un juge judiciaire pose un acte qui ne me satisfait pas, comment est-ce que je peux saisir le Conseil constitutionnel alors qu'il y a des voies de recours contre ce type de décision? C'est une décision. Le président rejette votre requête, il vous refuse l'ordonnance, mais vous saisissez la juridiction de recours et ce n'est pas le Conseil constitutionnel. Ce n'est pas le Conseil constitutionnel. Ce n'est pas le Conseil constitutionnel. Ils ont beau grommeler, mais nous sommes tous des hommes du palais. Lorsque le président du tribunal de première instance rejette votre requête, monsieur le président, vous pouvez faire appel. Vous faites appel. Les effets de manche observés depuis hier ne nous émeuvent pas. Nous dirons ce qu'il y a à dire. Je n'insisterai pas davantage sur ce moyen qui tombe de lui-même, parce qu'il est infondé. J'allais même dire que vous êtes incompétent à connaître de ce moyen. Je viens enfin au 9e moyen, et c'est le dernier. Sur la prétendue violation de l'article 54 du Code électoral. Le professeur Maurice Kamto excipe dans sa requête que ses représentants ont été expulsés des bureaux de vote des régions de la Damawa, du Nord et de l'extrême Nord. Monsieur le Président, vous, juge du contentieux électoral, comment pouvez-vous vérifier cette information? Vraiment, je pense que nous, justiciables, nous devons parfois nous mettre à la place de ceux qui sont chargés de nous juger, parce qu'au demeurant, il reste des êtres humains comme nous. Comment allez-vous vérifier cette information? Leur parole serait-elle une parole d'évangile? Parce que des informations reçues du terrain, il ressort que dans certains bureaux de vote, dans certaines localités, leurs représentants étaient bel et bien là, mais dans d'autres, ils n'étaient pas. Ce qui veut simplement dire qu'ils n'ont pas eu la capacité de pourvoir tous les bureaux de vote en représentant. Nous vous le disons, et ils disent le contraire. Comment allez-vous faire la vérification? Qui dit vrai? Qui ne dit pas vrai? Monsieur le Président, ce moyen ne nécessite pas qu'on s'y attarde non plus. Et, Monsieur le Président, honorable membre du Conseil constitutionnel, au moment où je descends la dernière marche de ce que j'ai qualifié de leçon de clôture de cette affaire en ce qui concerne ELECAM, je voudrais simplement constater avec vous
qui reste constant qu'en matière électorale, il y a ceux qui préparent l'élection et il y a ceux qui préparent le contentieux électoral. Quels que soient les efforts consentis par ceux qui organisent l'élection, il y aura contentieux. Et l'amour du contentieux nous étreint tellement que parfois, on s'autoproclame élu, mais on fait quand même le contentieux. Je voudrais alors me souvenir de cet échange entre deux avocats, éminents avocats de ce pays. L'un travaillant dans le cadre de l'organisation d'une élection et l'autre pour un parti prenant part à cette élection. Discutant sur une question, l'avocat de la structure d'organisation a posé la question à son confrère. Mais que dit la loi? Monsieur le Président, honorable membre, la réponse a été, toi tu fais le droit, moi je fais la politique. Toi c'est le droit, moi c'est la politique. Or, vous, membres du Conseil constitutionnel, vous ne faites pas la politique. Vous faites le droit électoral. Vous en êtes juge. Je vous ai suffisamment donné des arguments. Et d'ailleurs, vous les avez toujours eus. Parce que, quoi qu'on dise, vous êtes ceux-là qui connaissez le droit électoral plus que nous tous. Je suis convaincu qu'une fois de plus, vous en ferez usage afin que l'état de droit triomphe dans notre pays. En quittant ce micro, il me vient à l'esprit cette formule tant adorée par nos prêtres lorsqu'ils disent la messe en latin. Ite misa es. La messe est dite. Je vous remercie. Maintenant, le RDPC, après ce sera l'athée. Après, s'il y a des ripostes, on verra.